Bonjour à tous. C'est avec une certaine émotion que je présente mes vœux aujourd'hui à la place portuaire du port de Marseille-Fos. Je présente ces vœux en tant que vice-présidente du Grand Port de Marseille qui assure l'intérim de la présidence du fait de la disparition très brutale de Jean-Marc Fornery le 28 décembre 2020. J'ai travaillé auprès de cet homme pendant plusieurs années. J'ai apprécié l'homme d'abord, l'être humain, plein de sensibilité, mais j'ai aussi apprécié le très grand professionnel qui a accompagné ce port avec beaucoup de passion, de conviction, qui était un visionnaire, qui a défendu bec et ongles la place du port de Marseille sur la place mondiale. Et c'est grâce à lui que le port aujourd'hui est positionné en regardant vers le futur et sort petit à petit de tous les travers que Jean-Marc combattait. Cet homme est parti, mais le port continue. L'année 2020 n'a pas été marquée que par la disparition de Jean-Marc Fornery. Elle a aussi été marquée en début d'année par les grèves liées aux retraites au niveau national qui ont impacté le port. Et bien évidemment, l'année 2020 a été impactée par cette pandémie qui a bouleversé l'équilibre économique de la planète.